du jaune sur la place de la Révolution, mais pas uniquement. Après une première manifestation devant le CHU hier, quelques blouses blanches des personnels hospitaliers se joignent aux gilets jaunes. Nous sommes tous des laissés pour compte du système et on subit les souffrances. Et ces souffrances, personne n'en tient compte. Et on nous demande, en étant malade, de soigner des malades. À un moment, on n'en peut plus. Jaune, blanc et vert pour les écologistes d'Alternativa qui, eux aussi, croient à une convergence des luttes. La base, c'est quand même la question de l'injustice sociale. Et pour nous, l'injustice sociale, ben, elle a en plus des conséquences énormes au niveau du climat. Et en fait, on se rejoint, c'est les symptômes d'un même modèle de développement en fait, qui gaspille aussi bien les gens que l'environnement, qui abîme tout. Convergence régionale aussi, une seule manifestation pour toute la Franche-Comté. À l'heure du départ, ils sont 150 venus de Lons-le-Saunier. L'idée, c'est qu'effectivement, plutôt que de s'éparpiller dans différentes villes, différents villages, on a décidé de se regrouper sur Besançon pour être plus nombreux et avoir une plus grosse impact au niveau régional. Environ 1500 personnes et un cortège qui s'étire. Les mêmes slogans résonnent une fois de plus dans les rues du centre-ville. Alors que les cahiers de doléances remontent les revendications et que le grand débat est lancé, les manifestants sont plutôt partagés sur l'issue de cette consultation voulue par le président de la République. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils dépensent moins là-haut pour donner à nous. Nous, on est toujours taxés, donc on aimerait bien qu'eux, ils dépensent un peu moins. Même si on donne une idée, ce ne sera pas forcément celles-là qui seront choisies. Donc, voilà. Pourquoi vous êtes persuadé de ça? Que ça ne peut pas être honnête et fait correctement? Parce qu'on a perdu confiance en lui. Après 2 heures d'une manifestation dans le calme, quelques tensions en fin de journée. Des policiers de la BAC coincés contre le mur de l'ancien hôpital sous les projectiles. Ce soir, des petits groupes de gilets jaunes parcourent encore les rues du centre-ville.